C'est sûr que la dimension humaine est cruciale. C'est crucial parce qu'on fait un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Je suis responsable travaux, et donc je suis responsable de l'opération là, de la construction de la piscine Leclerc et du conservatoire de Pantin. Le conducteur de travaux, c'est un chef d'orchestre. Il est au centre de la machine, au cœur un peu du réacteur. Et c'est par lui qu'effectivement transitent toutes les informations. On gère une masse et un flux d'informations colossales. Et c'est là tout l'enjeu de l'expérience qu'on a pu vivre avec la plateforme, c'est comment centraliser toutes ces informations-là, pouvoir avoir les meilleurs outils collaboratifs et puis s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'une ou deux informations qui pourraient mettre en péril toute la machine. La collaboration du coup avec les équipes de Dassault Systèmes a été très fructueuse parce que le principe de relation était de partir du principe que les équipes Dassault Systèmes soient intégrées un peu dans nos équipes face à un sorte de vie-ma-vie pour réellement comprendre notre façon de faire, nos manières de travailler et pour ensuite bâtir notre usage et notre expérience de la plateforme. Notre expérience de la plateforme a été de pouvoir nous créer un support pour travailler plus en collaboration, pouvoir échanger entre nous plus facilement et de manière plus exhaustive. L'expérience qu'on a pu vivre sur le chantier de Pantin, c'est que la plateforme était un vrai levier, une vraie aide pour embarquer les gens. C'était une belle expérience humaine pour créer cet usage de la plateforme avec les équipes d'Assosystème. Un chantier, c'est une grande aventure humaine. Ouais.